Et bonjour à tous, on se retrouve déjà sur Cult of the Lamb. On s'était quitté il y a même pas quelques jours avec un petit goût amer de pas pouvoir platiner le jeu alors qu'on avait tout fait, on était à la recherche désespérée d'escargots. Et bien bonne nouvelle, le jeu a été mis à jour aujourd'hui, ou en tout cas, enfin, il n'y a pas longtemps. Et apparemment, on peut enfin obtenir les escargots et du coup obtenir le trophée platine. Alors j'espère que c'est réel, hein, mais j'ai regardé, il y a beaucoup de gens qui le disent. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de soucis de mon côté. Pourquoi il marquait temps de jeu 2h52? Il y a un problème. On est plutôt dans les 20 et quelques... 20... Pas dans les 30 heures je crois. Bref, j'espère qu'il n'y aura pas de soucis. Je croise les doigts. On y retourne. Ça va être la surprise. On va peut-être pouvoir le platiner. J'espère qu'il n'y en aura pas pour trop longtemps. En vrai, j'ai lancé ça là. On est en fin d'après-midi. J'avoue que j'espère pouvoir boucler tout ça en une à 2 heures. Pour après pouvoir aller manger et puis continuer sur autre chose ce soir. C'est bon, les graphismes ont changé. Il y a plus de flou un peu au niveau des lumières. Ça pète un peu plus, non? Au niveau de l'éclairage. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a eu de nouveau dans la mise à jour à part ça. J'avoue que quelqu'un m'a juste dit en commentaire que le jeu avait été mis à jour et que les escargots étaient disponibles. Donc j'ai rushé dessus juste en vérifiant que c'était bien le cas. Sur internet. Bref, bah du coup, let's go, non? Peut-être faire un petit festin avant de partir parce qu'ils ont faim et la foi est pas au max. Sermon, non, c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Ah! OMG. OMG. Y'a tout le monde dans l'église! Incroyable! Ils ont pas résolu que les escargots du coup. Oh la vache! Oh, y'a du monde, hein. Aïe 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 aïe, ça aurait dû être comme ça depuis longtemps. Parce que oui, apparemment, j'ai vu que j'étais pas le seul à avoir ce problème d'avoir personne dans mon église, enfin que 6 personnes à chaque fois. J'avais vu la dernière fois en allant voir les trucs au pif, que c'était un problème de console en fait. Sur console, on avait tous des problèmes, pas mal de problèmes sur le jeu, et qui n'étaient pas présents sur PC en fait. Donc voilà. En fait, j'étais pas le seul, c'était juste que c'est leur console quoi. Bon, bah c'est très cool qu'ils aient résolu ces problèmes, puis j'imagine qu'ils ont aussi peut-être résolu les problèmes un peu de lag, tout ce qui était à ce niveau-là. Bon, allons à Anora, on retourne. On a l'habitude d'aller. On continue. Alors déjà, ça veut bien dire qu'il y a eu une mise à jour qui a fait un bon taf quoi. Les choses ont changé, c'est réel, puisque dans l'église il y a du monde. Alors, est-ce qu'on va... Dans combien de temps on va tomber sur un escargot là? C'est là toute la question. Est-ce que ça va être hyper rapide du coup? Non, je pense pas non plus que ce soit ultra rapide. Je pense qu'il reste quand même rare, peu importe le fait que ça ait été mis à jour ou pas. Mais alors je sais pas si on doit en obtenir 4 ou 5. D'après moi ce serait plutôt 4. Ah quoique. Ah non c'est probablement 5. Parce que il y en a un en campement, c'est vrai. Le Oh putain! Alléluia! Ça va être pillé en une heure en fait. Et encore. What? Il y en a un qui se planquait? Je cherchais même pas un ennemi, je pensais que c'est fini. Voilà. Notre premier drop. Putain, mais il y en a un autre! Mais. MG. En fait, on va le finir en 10 minutes. Ah mais bon, même si on finit ça vite, je pense que je prendrai un petit peu.
Mais bro. À ce point-là, quoi? Est-ce que c'est vraiment à ce point? What the fuck? J'obtiens une carte arc-en-ciel. Vas-y, je m'en fous, on fait une run complète. Hein. J'ai pas relancé le jeu juste pour jouer 10 minutes, quoi. En deux salles, c'est fait. Mais quoi, il y en avait encore un planqué. Bah, je sais pas s'il en fallait 4 ou 5, mais en tout cas, je sais. Hein. Mais. Non, mais attends. C'est une joke là. T'es en train de me dire que j'ai passé. La dernière fois, j'ai passé des heures. Au moins 2 bonnes heures à juste à être juste à faire ça, en hein. Plus pourquoi la caméra elle part par là, juste à faire ça en hein. Plus le nombre de fois où on aura pu les trouver aussi au passage, tout ça pour arriver avec la mise à jour et que ce soit plié en 5 minutes quoi. On en a déjà trouvé 5 en 2 salles. 3 salles. C'est quand même abusé quoi. Alors maintenant, on peut lancer des paris hein. Jusqu'à combien d'escargots on va pouvoir avoir droit jusqu'à la fin de la run. Putain. Oh, la vitesse de frappe du coup c'est insane là. En plus je chope une carte arc-en-ciel quoi. Là ils ont été gentils hein. Je sais pas s'ils ont inversé le délire hein. Ils en ont mis masse pour équilibrer un peu le fait qu'on n'ait pas eu du tout de drop pendant des jours. Au secours. Non mais là c'est presque humiliant quoi en fait. C'est presque humiliant d'en avoir eu autant d'un coup. J'aime toujours autant cette musique hein. Bon dans tous les cas ça n'enlève rien au fait que ce soit très très cool. J'ai mis le jeu à jour et quand même c'était... relativement vite hein, ça reste un jeu indé. En plus ça concernait pas toutes les plateformes. Et puis bon c'était pas non plus des bugs giga majeurs non plus. Mais si quand même. Hein. Putain je fais un carnage là avec la vitesse de frappe. On a rien de temps de faire. Hein. C'est assez satisfaisant. Hein. Non mais en vrai j'aurais quand même préféré que ça prenne un peu de temps pour trouver des escargots, tu vois que j'en trouve 2-3 par run. Mais pas 5 d'un coup. Bon cela dit j'en ai pas retrouvé depuis. Est-ce que j'ai peut-être eu beaucoup de chance? Deux salles d'affilée où la première salle il y en avait 2, la deuxième il y en avait 3 carrément. Ouais là y en a plus hein. J'ai peut-être eu beaucoup de bol en fait. Mais n'empêche que ça reste 1 000 000. Ouais parce qu'on est même pas là. Le jeu m'a juste fait plaisir en fait. Le jeu a vu qu'il a eu pitié de moi. Il s'est souvenu que j'avais farmé ça pendant un moment et que ça m'avait bien frustré. Ils se sont dit vas-y attends, dès le début on va lui donner comme ça. Comme ça c'est fait. Mérité.
Et en plus, ils m'ont offert une carte arc-en-ciel en prime dès le départ. Une carte arc-en-ciel très efficace. La vitesse de frappe multipliée par 2, c'est insane. C'est une des meilleures cartes possibles. Ouais, il n'y en a pas eu d'autres en escargot. Ah, ça fait du bien en vrai, hein. C'est un défouloir un peu là. Avec la vitesse de frappe x2, c'est très plaisant. J'hésite presque du coup à garder l'arme que j'ai. Tellement c'est satisfaisant de spammer comme ça. On va voir si je prends ça. Attention à pas taper à côté. Ouais, en vrai c'est quand même mieux. La vitesse de frappe est quasi la même. Non. Vas-y, on part du principe que genre j'en ai pas encore eu. Donc j'ai pas les 5. Et qu'il faut absolument que j'en trouve encore. Allez, viens, 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 reviens, reviens, reviens. Couche-toi. Voilà. Ah, très bien ça. Mon maléfice préféré. En fait maintenant on va pouvoir constater peut-être la probabilité de drop normale des escargots. Parce qu'avant c'était aucun, ensuite au début c'était trop. Et maintenant c'est du coup on revient sur la normale. Au moins je les ai donc c'est bon. Hein. Bon le jeu il peut me rebaiser et puis me remettre. Normalement c'est bon. Putain mais ça tanque de fou quand même hein, là. Ah ouais. Faire au plus vite hein. Mais il a beaucoup trop de PV. Oh là là, je pense pas. Mais vas-y, arrête de sauter s'il te plaît quoi. Voilà. Ah, toujours aussi chiant les taux. Ça n'a pas changé par contre. Ouais, puis le jeu a l'air de moins laguer aussi. Hein. Ah, je m'en fous, je fais un... En fait, là, je le fais complet. Ne serait-ce que pour me dire déjà, je suis pas revenu pour rien sur le jeu, on va quand même faire un peu plaisir. Pas non plus juste envie de quitter tout de suite et puis voir un petit peu aussi les drops qu'est-ce que ça donne quand c'est normal en fait le taux de drop. C'est vrai que ça aurait quand même été mieux si de base ça avait été comme ça mais bon. De jouer un jeu à la sortie et il y a potentiellement pas mal de bugs qui peuvent un peu dégâcher l'expérience de jeu parfois. Mais très sincèrement les bugs qu'il y a eu
n'ont pas ruiné mon expérience de jeu. Le seul truc qui m'a vraiment quand même un peu frustré plus que le reste, c'est justement le fait effectivement, de ne pas avoir les escargots. Il a bloqué mon obtention du platine. Après le reste, les petits lags, les petits bugs qui faisaient que j'avais pas tout le monde par exemple à disposition, je pouvais pas faire ce que je voulais avec tous les adeptes. En vrai, moi ça m'a pas trop dérangé. Alors que bon, c'est quand même important, mais je suis pas un râleur à ce niveau-là en vrai. Je suis assez souple pour tout ce qui est petits soucis et tout. Tant que c'est pas abusé. Ah mais c'est fou, il y a plus d'escargots, genre ça y est, j'ai buté toute la population. Ça se trouve, il y en a que 5 en tout, peut-être sur la map du coup. On peut pas en avoir plus, ça se trouve. J'en doute, mais. Ça reste quand même quoi impossible hein, pour l'instant. Parce que si je regarde, j'en ai pas obtenu sans le voir. Par hasard. Ah si, j'en ai eu un sixième, dis donc. J'ai pas su quand. Il y a eu un escargot qui a pris une collate, à mon avis, à un moment donné. Je l'ai trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Puis ça confirme bien qu'il y en a plus que nécessaire donc. Et que ça ne s'arrête pas. Tiens, vas-y, une carte de tarot. Oh, allez. Toujours plaisant ça. Ah merde, c'est pour ça que je voulais faire. C'est pas grave, je sais pas pourquoi, j'ai pas réfléchi, j'ai cliqué. C'est pas grave. Au moins là ça fait plaisir, je reviens sur le jeu pour une dernière fois. Et c'est satisfaisant. La run se passe bien. C'est cool, il n'y a pas de frustration. J'ai des escargots directs. Un peu trop direct. Mais c'est cool. C'est presque un peu triste au final de me dire je reviendrai probablement pas sur le jeu du coup, plus jamais. Mais en vrai peut-être un jour, mais non, le problème c'est que j'ai pas le temps en fait. Mais si j'avais eu le temps, j'aurais bien kiffé refaire une game en difficulté plus élevée, parce que là je suis en facile depuis le début, enfin en normal au départ. En normal, j'avoue que j'aurais... quand même pas eu de difficulté du tout, hein. Je suis quasiment jamais mort de toute la partie, je crois que je suis mort en tout, dans deux fois réellement, plus une troisième, enfin je sais plus, mais mort dans les 3-4 fois. Je garde une vitesse de frappe élevée, et j'avoue que en vrai j'aurais quand même bien fait une run en difficulté plus élevée, merde non c'est en bas. Et puis en sachant en plus maintenant après comment jouer au jeu, comment gérer le culte. Et puis sans les bugs en plus. C'est vrai que j'aurais bien aimé faire ça, mais malheureusement j'ai pas vraiment le temps de faire ce genre de choses. Surtout que c'est pas comme si à la limite il y avait un trophée qui nécessitait de refaire une partie, et là du coup oui j'aurais sûrement fait par contre. Mais bon. Là j'ai platiné le jeu.
J'ai plus vraiment de raison d'y retourner dessus. Quoi. Trop de choses à faire en fait. Pas le temps. Même eux, les squelettes là, ça les stun. Quand je les tape, parce que normalement eux ils s'en foutent. Hein. Quand je les tape, ils continuent quand même leur animation. Non. Merci, mais non, merci. On va regarder la tradition de quand même toujours recycler. Pour une petite pièce, une malheureuse pièce. Non mais là c'est vraiment kiffant. Hein. Ah, le témoin est à la droite. Non, attendez, on n'est pas déjà au boss là. Si. Quoi que si. Ça a été vite. Parce que ça c'est c'est le chemin du boss. Ça. Témoin Bassine. Bah alors lui il prend tarif lui. Ah oui c'est vrai, c'est lui qui. Ouais c'est vrai qu'il prend assez de tarif. Il prend tellement tarif qu'à chaque fois je lui mets tellement cher qu'il se rebarre direct. Voilà. À peine arrivé déjà reparti. Ouais, un peu chiant parce que du coup, il peut pas aller vraiment plus vite que ce qu'il veut quoi. Parce que t'as beau le spammer, et bon bah il repart quand même assez vite. Hein. Voilà. Bon, ça reste rapide quand même. Hein. Allez, on prend les cadeaux. C'est parti pour le dernier palier. Troisième palier. La run se passe vraiment bien. Je me fais un dernier petit kiff de tout détruire. Même si ça n'a plus aucun intérêt. Ça reste totalement plaisant. Ah, c'est sûr qu'ils m'ont vraiment régalé avec la carte arc-en-ciel dès le départ là. C'est vraiment rare une carte arc-en-ciel quand même. J'en ai pas eu beaucoup hein, dans toute ma game. Ça c'est bien la roulade en vrai, l'autre t'es pas terrible en plus. Là les deux ne m'intéressent pas. Et en plus là, les trois escargots, les, non même 6 escargots apparemment, en tout cas moi les 5 que j'ai remarqué, ils ont tous droppé hein, une coquille.
Alors que j'en avais eu hein, des escargots au moins dans au début hein, dans cette run là hein, à l'époque. C'était vers le début et j'en avais vu, j'en avais tué au moins un ou deux je pense et ça avait rien drop. Tetris, révèle la carte, ça m'intéresse pas du tout. Je fais un petit mystère. Non, on va peut-être faire le mystère d'en haut. On va passer par là. J'ai l'impression aussi que le jeu est plus fluide. Hein. Quand on spamme les ennemis, ça c'est un peu moins lagué. On en a sauvé combien de ZD depuis le début là? C'est au moins le troisième. Oui, je pense que c'est le troisième. Je crois pas qu'on en ait fait plus. Ce sera sans doute la dernière run du jeu. Ma dernière run sur le jeu. Autant la faire bien et jusqu'au bout. En fait, leur mettre tellement de dégâts et à la fin, ah oui, c'est le coup final qui les fait tomber en fait. Ah oui, c'est vrai qu'on voit la map. Mais du coup, c'est presque bizarre de voir la map parce que on repère moins bien les endroits où on n'a pas été. Moi, je trouve ça moins bien en fait. De déjà voir la map, puisque déjà je fais toutes les salles, peu importe. Bon, au moins comme ça je sais après tout où aller dans les salles d'annexe, mais bon. Ah, y a pas tellement de désert que ça en fait. Hein. J'ai vraiment juste eu de la chance. Deux sont pas mal, ouais, je pense ça. J'utilise pas tellement ma ferveur de toute façon. Ah, quatrième adepte sauvé sur cette run. C'est rare d'en avoir aussi autant en fait. Enfin, quoi que, en vrai j'en ai choisi deux. J'ai choisi deux ça pour sauver. Ah. Bah c'est très bien, celui-là est moins bien. Ça c'est mieux. Et puis vu qu'on a fait quand même une run complète, normal qu'on en ait beaucoup comme ça. Ah bah non, mais on n'est pas encore au boss. Suis-je bête? Oh, oh, oh. Évidemment que je prends la carte de tarot, mec. Même si le cœur corrompu est bien. Ah bah je l'ai déjà eu tout à l'heure, celle-là. Celle-là, elle est bien à avoir en deux fois, en vrai. Pas mal du tout, hein. Même si vu qu'on est à la fin, c'est pas hyper utile, mais... Oui, il y a une barre de vie sur un cadavre là. What the fuck? Je
sais pas s'il comptait comme ennemi ou pas. J'ai jamais vu ça. Ah d'ailleurs c'est con, on est la nuit, j'ai un boost de dégâts le jour. Oh de toute façon la, ouais, la nuit passe vite. Donc d'ici à ce qu'on avance. Pas arrivé au boss, ça sera déjà le jour je pense. C'est bizarre qu'il n'y ait pas vraiment plus d'escargots que ça. Là. Le jeu a vraiment été généreux au début. C'était des récompenses. Ah là, ça fait du bien, ça fait du bien de les exploser tous là comme ça. Ils peuvent rien me faire en plus, c'est trop bien. Ah bah il fait déjà jour ça y est. Alors on fait le troisième boss. Gusion. Hein. L'autre c'était vraiment un sac à PV en fait, hein, le premier boss de tout à l'heure. Parce que le deuxième je lui mettais tarif et lui c'est pareil, hein, je lui mets tarif aussi. Hein. Hop là. Un collier. Bien les colliers. C'est un peu les seuls items qui maintenant ont encore une importance pour moi. Une utilité, on va dire. Toutes les ressources. Ah ben non. On va faire le prélat, bien sûr. Il faut retourner au début de la salle. Hop. Enfin, j'ai longtemps attendu ce moment. N'aie crainte, jeune agneau, tout sera très bientôt terminé. Je laisse la cinématique pour le plaisir. Allez, oulalalala, les dégâts que je lui fais. Il est en train d'appeler ses sbires. Et tu tué avant qu'il se barre. ONG. ONG. Bon bah là, je crois que je l'ai fait en no hit, je suis pas même pas sûr. En vrai au début je faisais pas spécialement gaffe, alors j'ai peut-être pris un hit. Mais je l'ai déglingué mais tellement vite. La violence hein. Normalement il, quand il est à bit PV il se barre pour laisser des sbires attaquer et hein, il a même pas eu le temps de se barrer. Dans la pièce, je m'en fous, je la vide intégralement. Tous les petits cadavres. Je crois que c'est bon. Voilà, bon. Et ben, ce serait tout. Maintenant, on retourne au camp. On va déposer les petites coquilles. D'escargot. On en a obtenu 6. Je sais pas où est-ce que je l'ai eu la 6ème. Mais voilà qui est fait.
Oula, 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 mes adeptes ils sont mal en point là. Oh bordel, qu'est-ce qui s'est passé? On va commencer par un sermon déjà. Tout de suite, on va voir ce qui se passe après. C'est déjà mieux. Peut-être un petit rituel, alors je pense... Ah, je peux déjà refaire le rituel de fin? Ah, vas-y. Hein. Ils ont la dalle, alors autant en profiter. Alors, je sais pas s'il y a tout le monde, par contre. Bon, déjà, il y a ceux qui sont en prison, donc ils risquent pas d'être là, c'est sûr. Je sais pas s'il doit y avoir sans doute comme une limite de personnes, parce que... Dans l'église, en tout cas, je veux dire. Ah ouais, du coup, c'est plus de fric en plus. Ouais, tu m'étonnes. Alors, il y en a un qui est malade. Alors, viens à l'infirmerie tout de suite. Hop, je te prépare un petit lit douillet. Hop. On va discipliner les autres parce qu'apparemment il y en a un autre dissident. Ah oui, il est très haut en dissidence d'ailleurs. Toi tu vas laisser ta place. Non, mais attends. Fichier la frousse à Hermère en envoyant en prison, ce serait assez drôle, oui si tu veux. Tiens, toi je te libère. Hop. Et puis, prison. Ah, c'est celui qui attend qui est dissident. Ah non, il est malade. Non, c'est lui qui est dissident. On va l'emprisonner tout de suite. Est-ce qu'on peut libérer la place pour faire une frayeur à l'autre? Je pense que oui. Yes. Allez, tu peux libérer les locaux. Et toi maintenant, attends, déjà je vais discipliner lui au fait. Hop. Et toi, est-ce que c'est bon? Et ben voilà! Tout le monde est sorti de prison aujourd'hui. Donc c'est... il y a dit Herbert, un truc comme ça là. Hermère, Hermère. Pardon. C'est un vieux, le pauvre. Voilà, c'est bon, c'était une blague. Regarde, hop, voilà, tu peux sortir tout de suite. Oui, il y a eu, quoi, il y a eu deux cadavres, c'est pour ça. Hop. Il reste une tombe de libre, je crois, non? Enterré, ouais. L'autre, on va mettre ça au compost. Attends, t'as un truc à me donner. Oh, 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 arrêtez de vomir là. Il y en a un qui est en train de nettoyer, vas-y, surprise. Arrêtez. Oh, il y en a un qui est remords encore là. Où ça? Il est marqué, il nous a quitté de vieillesse. Putain, oui. Mais arrêtez de crever là. Tu me diras, on a trouvé leur remplaçant. Hein. J'en ai recruté 4 nouveaux là. Ah oui, d'ailleurs, je peux pas leur faire perdre leur... leur mécontentement en leur faisant bouffer la nourriture, là. Chance d'augmenter la fidélité de l'adepte... 100% de chance que l'adepte abandonne ses idées de rébellion. Ah bon, carrément, 100%. Bah vas-y, hein. Alors, par contre, c'est destiné à une personne, hein. Venez pas... Venez pas bouffer, hein. Ça va vite. Quoi? Va... Eh. Va manger ce que je t'ai préparé. Mais si, il y a à manger! Qui c'est qui a piqué, connard? Putain, vous avez pas censé avoir faim, là. Et oui, 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 oui. Putain, mais arrêtez de bouffer! Vas-y, je vais lui préparer d'autres plats hein, si c'est comme ça. Voilà. Je vais faire des leurres.
Ah. Hop. Donc toi. Non mais bouffe pas ça. Hop, tu bouffes. C'est ça, je pense. Voilà. Voilà. Parfait. J'aime bien cette pièce en, quand c'est full. C'est bientôt 10 000 pièces. Ok. On remplit quand même tout, hein, comme si on allait revenir. Hein. Oui, ici on est nouveau. Par contre, j'aurais pas assez de lit. Il va me manquer un lit. Là on était 18, j'en ai recruté 4 et j'ai 21 lits donc ils vont être 22, c'est con. Normalement c'est le dernier. Voilà, il manque un lit. Est-ce que j'ai la place pour faire des lits en haut? Non, c'est chiant. Est-ce qu'il nous reste une place? Ah non, ou pas là. Ah merde. Ou alors je suis peut-être tout décalé d'un cran, mais non, c'est un peu chiant. Non, j'en fais un là. Un peu dommage. Ah, presque de la place pour en mettre un là. Ah, c'est con ça. C'est con. J'ai pas envie de faire n'importe quoi en fait. Bon bah vas-y, j'en fais un là. On va le crafter. Ah oui, c'est rapide. Si tu veux, mais on le fera jamais. On va améliorer ça. Ah. Merde, peut-être que j'aurais pu directement faire l'amélioration comme ça, non? Ah bah d'ailleurs, j'avais pas tout amélioré. Let's go. Hein? Et là, il me manque quoi? Il me manque du bois. Et il me faudra que j'en fasse des lingots. Un qui dort à la belle étoile, non? Ah mais du coup il manque des lits, bah oui, il faut que vous travailliez les gars. Alors on va voir le passage au jour, est-ce que ça y a un lag ou pas? Ah oui. Un peu moins, un petit peu moins, parce que à la fin c'était violent, et ça lag un peu moins longtemps. Mais il y a toujours un peu. Me veux-tu encore? Je me laisse ta mère dehors. Oui, bah ok, oui. Attends, c'est en cours. Bah t'as qu'à bosser, mec. T'as qu'à bosser si tu veux, hein, toi. Ah, y'a un mec aux chiottes. Non, mais je vais ramasser la merde, moi.
Allez, on construit, on construit. Il y en a qui sont, j'espère, au fourneau, là. Il y en manque un fourneau, là. Dépêchons, j'ai besoin de bois. C'est bien de finir d'avoir que des maisons partout. Pourquoi il y a une lampe ici? Enfin, il y a une bougie. Comment ça se fait, ça? Ah. Ça gêne, dis donc. Si je mets ça là, est-ce qu'après j'ai la place? Non, il y en manque un. Il y a que trois là-haut. Il manque un emplacement. Dommage. Pourquoi c'est décalé, ça? Ah, mais tout est décalé ou quoi? Je comprends pas. Là, c'est aligné. Hop, hop, hop. Là, hop. Ah non, mais en fait, c'est pas bien aligné, en fait. Ça devrait être effectivement comme ça. Hop. Hop. Ça là. Ah, tac tac. Tac tac tac. Hop hop hop. Ok, là c'est bon. Voilà. Et ça me permet de pouvoir mettre ça là, c'est déjà mieux. Condition de bouger la bougie. Voilà. Puis on pourra mettre une maison là. Je voudrais que quelqu'un s'occupe. Non, pas toi. S'occupe du fourneau là. Hein. Allez hop. Va à la raffinerie toi. Je récupère un peu les coffres. Donc des lingots, j'en ai encore 4 d'avance pour faire 4 huttes d'avance. Par contre, il faut surtout du bois hein, quand même. Hein. Il me faudrait 1, 2, 3, 4, 5 et peut-être pourquoi pas 6. Une 6ème habitation. Donc les lingots, ce sera bon parce que j'ai de quoi en faire 4. Donc hop, hop, hop. Après, on peut supprimer les restes. Je vais mettre le bois après en plus. On va refaire un lit là. Ok, maintenant l'évolution. J'ai assez du reste. Ouais. Bon, on s'occupera peut-être de ça au retour. Tiens, toi, là. Oh.
Et donc ça va pas vite hein. C'est tant qu'il en termine un. Comme ça au moins j'en fais une. Et puis moi je vais pouvoir aller déposer tous les escargots. Je prépare à manger avant de partir. Mince. Merde. Ok. Eh mais... L'autre il est parti casser la graine quoi. C'est sale d'ailleurs. Tu vas la remplacer toi? Ah non. Il a posé une pêche. Non, il s'extasie devant l'étoile d'araignée. C'est ça qui est important les gars là. C'était qui était en charge de ça? Je sais même plus où il est. Ah bon c'est bien, il est en passant. Allez. Nous, on va aller déposer... On va aller déposer nos escargots, n'est-ce pas? Alors, il y a un truc que je veux faire. Je vais choisir un nom particulier pour que le dernier... le dernier endroit où on pose, ce sera l'obtention d'une platine pour avoir un beau screen de fin. Alors, pas là-dedans, soit sur le pont. Je pense pas au niveau du port ou alors dans la caverne. Je sais pas qu'est-ce qui est le plus joli. Allons voir la caverne. C'est à gauche. Ils ont rajouté un effet de lumière éblouissante. C'est un peu bizarre quand même. Hein. C'est où déjà? Non. C'est là. Bon ici c'est pas mal. Ah retrait. C'est vrai que j'avais fait une offrande il y a longtemps. 400, ok. J'ai presque 10 000 pièces. Let's go. Et là-bas... Au niveau du pont. C'est de nuit que c'est encore plus beau. C'est là. Ouais, je sais pas, c'est les deux endroits qui peuvent être sympas à faire. Bon déjà on va aller hop là-bas, parce que là-bas c'est de la merde. L'endroit où c'est un peu nul. Faire une offrande, hop, voilà, qui est fait. Ensuite, on va aller au champi, non, sur le port. Je vais faire une offrande. Ok, et de deux. Ah ça y est, la nuit est tombée. On va au champi. Faire une offrande. On va sur le pont.
La nuit, c'est vraiment beau ici. Quand même pas mal hein, pour la fin ça. Mais bon. Ah attends. J'aimerais bien avoir pile poil 10 000 pièces. On va s'arrêter à pile 10 000 pièces et on va le faire au jour 150. Il manque 4 pièces. Alors je sais pas si là-bas il y a de quoi récupérer des pièces encore ou pas. Il me faut juste 4 pièces. Non, ça c'est pour faire une offrande. Y a rien pour récupérer ici? On peut te donner, ouais. Ah non, on peut pas. Ah, attendez, je les veux ces 10 000 pièces là. Si je retourne par exemple là-bas, est-ce que ça a déjà remis un petit peu de contenu? Ah, mais sinon il y a l'intérieur du phare. Pas récupérer. Non, ça a pas remis. Boum, 10 000. Voilà qui est fait. Caverne de Midras. Are you ready? Et voilà. Troupeau au complet. Divinité. C'est fait. C'est fait. Nice. Nice. Et du coup, 30 heures de jeu, je crois. Hein. Parce qu'il me semble que ça c'est 29h exactement la dernière fois qu'on avait quitté. Donc là on a fait une heure de plus, voilà, tout simplement. Au final, ça passe vite. 10 000 pièces, 22 adeptes, jour 150. Hop. Je récupère le matos. On va finir vos cabanes. Ah. J'ai plus de assez de bois, c'est ça? Ouais. Il m'en faut encore 8, c'est ça aussi? Ah non, 6 seulement. Allez, dépêchons, messieurs. Ah bah j'en ai pas récupéré là, je suis bête. C'est bon, un de chaque et c'est bon. Hop. Le petit dernier. Et... voilà. Il n'y a plus qu'à construire et c'est bon. On se refait un peu de bouffe. Bientôt fini d'être construit.
démarre bientôt. Vas-y, je commence celle-ci. Allez, tout le monde construit là. C'est le rendez-vous. Voilà, une de fête. Là, je vais plus vite. Enfin, oui, bon, tu me diras, il m'aide aussi. Voilà. Ça y est, il y a assez de lits pour tout le monde. L'autre, il est en rab. Et en vrai, c'est la statue du mouton là-bas, je pourrais la mettre devant. Là. Vas-y. Non, hop. Tac. Hop. Et il faudrait que je mette un sol en or là. Hop. Voilà, sympa. Laissez-moi, je vais prendre un screen. Voilà. Ah, barrez-vous! Voilà. Bon. Et ben voilà. C'est fait. Nous avons platiné le jeu. C'est vraiment cool hein. S'il n'y avait pas eu ce problème d'escargot et puis ces petits bugs au début là, franchement ça a vraiment été super. Hein. Ça, c'est vrai que ça m'a un petit peu frustré à des moments sur la fin. Ça m'a un petit peu... Ouais. Mais bon. Tout est bien qui finit bien. Donc nickel. En plus on n'a pas attendu trop longtemps avant qu'il fasse la mise à jour. Franchement c'est cool. On est toujours dans le délire. Ça fait plaisir. Bon bah voilà. Hein. Allez, on sauvegarde. Et puis bah... On se dit au revoir. Hein. C'était cool. Voilà. Les escargots, on en a eu plein dès le début et après on en a quasiment pas revu. Donc je sais pas si c'est vraiment de la chance ou je sais pas. En tous les cas, c'est fait, je suis bien content. Voilà. Ce sera la dernière fois qu'on y joue, je pense. Peut-être un jour, mais j'en doute. Bref. Merci à tous. Cette fois-ci, on s'arrête là, définitivement. Il y a un malade. Oh. Bon, allez. Ça sert à rien, mais voilà. Allez. Menu principal, hop. On s'arrête là. Moi, je vais aller manger. Après, on va continuer. Je pense que, du coup, je vais jouer à Assassin's Creed ce soir. Salut. À plus. Au revoir. Ciao. Merde.